Manuel de l'anti-rentrée littéraire. 3. Arnaud Bertina. Château qui brûle. Il est peut-être 19h30 ou carrément l'heure du journal. Trois tables sont installées dans le hall, c'est comme un pique-nique. Certains tartinent, c'est une occupation. Tout le monde a le dîner en tête, mais on ne fait que passer, personne pour se poser. Le stress ou l'angoisse, ça donne envie de manger pourtant, c'est le drame des pauvres. Donc, il doit y avoir autre chose, la crainte de roupiller ensuite. Quand bien même le ventre plein, tu l'as rempli avec un sandwich au pain. On veut rester alerte, la lumière tombe, le hall est éclairé, mais les bureaux de la mezzanine, par exemple, ils sont mangés par l'ombre. Ça y est, la nuit menace. Alors comme tous les animaux, on serre les rangs, on s'assoit côte à côte contre la salle d'entretien. Il y a de la place, les néons n'éclairent pas ce pan de mur. J'ai besoin de souffler, je m'assois, je ferme les yeux, je commence... Une boîte de maïs. Je regarde les mains du mec à côté de qui je me suis assise et je sursaute à l'intérieur. C'est le ministre. Lui aussi est au maïs. Et ça, c'est bon. Il a senti comment j'ai frissonné, mais il essaye de rester cool quand quelqu'un se crispe tout près de toi. C'est difficile. Et pour moi, c'est la beauté de la vie. Quand tu vois les fleurs s'ouvrir le matin, t'as envie de t'ouvrir aussi. Et quand tu vois un CRS sur le parking de ton usine, t'as envie de le matraquer. C'est dans la peau. On est relié. D'abord, je vais finir mon maïs. Et puis, pour me donner une contenance, je vais laisser tomber la conserve sur le sol, presque balancée. Mais non, je vais te remercier, tiens. Je vais te remercier. Alors que, dans les yeux qui te regardent, là maintenant, il y en a bien plus pour te mettre sous la décapiteuse. Les gentils, ça fait jamais une grosse armée. Quand t'as dit qu'on est des illettrés, t'as dit un vrai truc, alors merci pour ça. Pas toutes, évidemment. Il y en a qui ont leur brevet. Et quand on se blague, c'est toujours la plus grosse carte. Oh, la pouilleuse, j'ai mon brevet, moi, madame. Puis il y a aussi toutes celles qui n'ont pas connu l'école d'ici, mais seulement au bled. Vous, je disais, les politiques, vous dites jamais rien de blessant. Autrement, vous savez qu'on votera plus pour vous, jamais se griller, alors vous marchez sur des œufs tout le temps, donc moi, quand j'ai entendu ça, notre analphabétisme, j'ai tendu l'oreille, tu penses à je suis dit, il est passé à la vitesse supérieure, il écrase des poules, j'étais en train de gueuler sur mon fils, mais je me suis arrêté, j'ai tendu l'oreille, c'est mon Jules qui était devant la télé, il s'occupe jamais du fils, quand faut lui apprendre la vie, c'est toujours moi, du coup le fils a la haine pour sa mère, et il méprise son père, oh, pour ça, on l'a soigné, son éducation. Il t'écoutait, mon Jules, à la télé, et il te voyait, lui. Moi, j'avais que le son, ta voix, t'as articulé. Elles sont illettrées pour la plupart. Et je me suis dit, tiens, il a bien écouté ce qu'on lui a rapporté la dernière fois. T'as dit, elles peuvent donc pas apprendre le code. Elles peuvent chercher du travail qu'autour de leur maison. C'est pas des mots exactement, mais j'ai entendu les ressorts du fauteuil s'écraser un peu plus. Le Jules est devenu plus lourd et subitement, il a un poids sur les épaules de me savoir à la maison pour cette raison et pas une autre. Et si on est encore une famille, c'est pas pour l'amour ou... Je suis contente de ma vie avec cet homme, mais pas parce que je sais lire ou pas vraiment. Et donc, j'ai pas le permis. Tu t'es pas demandé si j'avais l'argent pour le passer, ton foutu permis. Non, t'as tout de suite choisi une seule explication, celle qui fait mal. Si t'avais dit, elles ont pas l'argent, ça m'aurait fait moins mal. La faute aux salaires qui sont pas des salaires, mais des blaguettes auto. Alors, pour reprendre le chemin de l'emploi, entre guillemets, t'as continué, ces femmes, il faudrait qu'elles puissent chercher dans un rayon plus grand, entre guillemets. J'ai pensé à la différence entre un petit casino de centre-ville et un immense Leclerc où on trouve tout, c'est vrai. Et j'ai éclaté de rire. Tu vois la force des mots, ça marche même avec une illettrée. Bon. Je sais pas, je sais qu'on doit pas rire aux blagues qu'on fait, c'est plouc, hein, c'est ça. Tu vois, on a du savoir-vivre et des jeux de mots à Châteaulin. Eh ben, tu sais ce que j'ai senti à ce moment-là, en allant dans la cuisine. J'avais pas fini avec l'ado, mais là, j'avais la tête farcie avec tes mots, alors c'était plus possible. J'ai senti toute ma misère, qu'elle était là, entière et grise, dans ces 3-4 mots. Je suis pas con, tu sais. Je comprends les collègues quand ils disent... La mobilité que vous nous servez tout le temps, c'est de l'aspect GIC pour supporter des conditions de travail encore plus dures.
en ayant du trajet en plus et des frais de voiture, qu'on aille où est le boulot, par exemple, et peu importe si notre vie elle est à gauche, ou nos parents, ou les écoles des mômes, vous en avez marre de m'entendre ? On n'est jamais assez puni, mais je me fous bien, moi, de ce que vous avez pu dire exactement, et avec quelle mentalité ou quelles idées, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que ça me fait, et ben là... Illettré et voiture, et chercher plus loin. Tout est entré dans ma tête et s'est descendu sur le cœur, sur le ventre, et ça s'est mis à peser et lourd. Tu peux pas imaginer, il y avait toute ma misère, oui, dans cette phrase-là. Si j'avais eu le permis, peut-être que je l'aurais quitté, mon Jules, peut-être j'aurais quitté les deux même, voilà ce que je me suis dit. Je les aurais laissés entre eux, incapables de se parler, de se regarder, alors qu'ils se disputent même pas pour moi, hein. C'est même pas un combat de coq, mon mari, il est tellement bas qu'il me baisse plus depuis longtemps, Ça m'est tombé dessus. J'étais sorti de la chambre de l'ado. J'étais dans le couloir. Je suis illettré. Et ça fait que je reste. Et ça me cloue à ce quartier comme le cadre que je sens derrière mon crâne est cloué au mur de ce couloir avec la rage de mon Jules cognant toujours bien trop, cassant des clous. Je sais pas si vous voyez. Et ça fait que je reste. Et ça me fait même pas un cercle autour de la tête comme pour les saintes, mais la tête au carré, mise en boîte, en cabane. Merci pour ça, du con, monsieur le secrétaire d'État. Merci bien pour la tête au carré. Pour notre humiliation et votre courage. Parce que j'ai compris un ou deux trucs. Je serais même pas parti de chez moi tellement c'était fort ce qui m'est tombé dessus dans le couloir du fils. Mais il y a ça maintenant, ici, dans l'usine, avec vous, c'est partir sans partir, alors... C'est parfait, ici, maintenant. Hier, j'ai vu les gosses du ravitaillement, là, tout le cirque. Ben, vous savez quoi ? C'est pas de suite que je me suis demandé pour mon fils ce qu'il aura envie de venir. Parce que, bien sûr, le Jules et le fils comprennent que je vis encore avec eux parce que j'ai pas le permis de conduire. Ça va faire des ravages, hein ? S'ils en viennent à se dire ça, s'ils mettent des mots, les vôtres, tiens, par exemple. Et tous les deux, ils l'ont, ce papier rose, leur permis. Donc ils pourront s'enfuir, ils pourront décider. Alors voilà, je disparais. Avant, ici et maintenant, avec les collègues. Arnaud Bertina, des châteaux qui brûlent. Vous avez compris que les châteaux qui brûlent, c'est tout ce tissu industriel qu'on balance à la casse volontairement et absurdement sans modèle de remplacement pour la société. J'étais très touché par la dédicace d'Arnaud. C'est longtemps qu'on se croise et se recroise. J'ai pris un peu d'avance, j'ai l'âge. Différemment de Déou, mais certainement pas sans Déou. J'aurais même pas fait le rapprochement. Oui, c'est des monologues, et oui, ces monologues, on les emmène sur toute la tranche verticale de ceux qui sont attrapés par l'œil, comme ça, de la disruption, de l'événement. Le secrétaire d'État, les secrétaires, la fille au service du secrétaire d'État, évidemment les ouvrières, évidemment les cadres. Et donc on a chaque discours comme ça qui s'enfonce dans la subjectivité de ceux qui sont happés, et puis tout ça fait une symphonie mastoc, 400 pages. Il y a évidemment énormément de disruption, ça veut dire violence. On aborde la société par sa violence, mais qui heureusement qu'on peut faire ça, heureusement qu'on doit faire ça. Et puis, en même temps, les harmoniques, elles sont pas là, c'est l'ordinaire que ça révèle. Et non seulement l'ordinaire, mais la réflexion sur soi, qui on est, et qu'on n'écrit pas à la place. Autrefois, c'était les vieilles lignes, ceux qui donnent la voix à. Non, c'est pas donner la voix à. On cherche sa voix à soi, et pour trouver sa voix à soi, on va la chercher là où ça tremble. Et ben ça tremble fort, ici.
C'est ça que je voulais voir. C'est pas le livre qui brûle. C'est ce qui est raconté dedans. La preuve est faite.